Salut les amis, c'est Tsuzaku Darius Phoenix et on se retrouve pour ce 20e épisode de Kingdom Hearts Final Mix où l'épisode précédent on a fini le pays imaginaire et donc on a fini la deuxième boucle de tous ces mondes. Et avant de s'attaquer à la suite de l'histoire, retournons à travers avec le Navicum que nous avons trouvé. Ok, on va retourner à Traverse pour le Dominavicum, mais avant, y a un tournoi hein, comme le dit Tic et Tac. Mais avant, j'aimerais retourner à la ville d'Halloween. Si vous vous souvenez, à l'épisode, je crois, de C18, à un moment où j'ai dû couper le micro, je suis à cause de la cinématique, tout ça, et j'avais un petit doute sur le laboratoire. Et c'est avéré que ce doute est réel. Mais j'ai toujours un doute. Les pages déchirées, j'en ai une, deux. Une, deux. Il m'en manque. Il me semble qu'il y en a une ici. Je sais plus où je... Normalement, au total, il y en a 5, un truc comme ça. Mais je sais plus où je l'ai oublié. Donc, voilà. Donc, je sais qu'ici, il y en a un. Voilà. Je me disais aussi qu'il y en avait un. Et j'avais complètement oublié qu'il était caché ici. Je crois c'est tout. Donc là on va faire un petit tour on va faire un petit tour de ce côté là. On va quand même level up tout ça avant de commencer notre petite pause. See ya. Avant de retourner à travers, c'est de faire le tournoi. Ah oui. Donc pour l'instant, je vais pas vous montrer la location de clocher. Mais... Enfin, c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que c'est pas encore le bon moment. Bon, vous allez vous calmer. Bon, vu que la guillemette est un peu à courte portée, ça va être difficile de toucher les ennemis. Et vu que là j'avais pas visité, on peut y aller par là, puisque je crois que. À un moment... non, c'est pas ici. Ah, bonjour. Oh, mais... On va attendre. Oula. On va attendre juste un tout petit peu. Il y avait un autre accès. Il y avait un accès et
cheval là. Je crois que c'est celui-là. Il me semble que celui-là, je l'avais pas visité. Oui, c'est bien celui-là. Voilà. Une matière noire. Et des dalmatiens. Alors, en tout, ça fait 51 et il m'en reste 6. À Halloween. Je sais plus où sont les autres. Bon. Voilà. C'est pas grave. Je voulais juste faire ça. Donc voilà. Ah mais. Donc vous vous demandez quand est-ce que je vais faire le livre. On va pas le faire maintenant puisque il manque des pages. Si je dis pas de conneries, là il en manque deux. Il m'en manque deux, mais je ne sais pas où ils sont. Si, je crois que je sais où en est un, mais le deuxième, j'ai l'impression que je l'ai peut-être loupé. Je l'ai peut-être loupé avant. Non, Sora. Je l'ai peut-être loupé un petit peu avant. Donc, il y a des chances. Je crois qu'il y avait des coffres ici. Ah, voilà. Donc il n'en reste plus que 3. Je sais plus où il est. Je ne sais plus où il est. Où est-ce qu'il est? Ah si. Si. Oui, je sais, hein. J'ai oublié. J'avais oublié qu'il y avait un coffre qu'on n'avait pas pris. Monsieur. Bonjour. Thunder! Come on! Non. See ya. Voilà. C'est mon petit raccourci, hein. Ah mais. Come on. Vous êtes compliqué. Donc le petit tour des monstres, ça se fera progressivement. Donc voilà, là, c'est la compétence rapprocheur.
qui se fait automatiquement quand je suis trop loin de l'ennemi et que je veux me rapprocher de lui. Donc là on va attendre. Dès qu'il y a une petite distance avec l'ennemi, Sora fait sort. Oui, il se rapproche le plus rapidement possible de lui. C'était une compétence que, si je ne dis pas de conneries, n'existait pas encore dans la version dans la toute première version avant la sortie de Final Mix. En tout cas. Voilà. Non mais... Allez, boost, décarpissez s'il vous plaît. Et voilà, normalement maintenant, c'est bon pour ce coffre. Par contre, j'ai un petit doute sur... où est le dernier? Est-ce qu'on l'a pas oublié pendant notre affrontement contre Ookie Pookie? Ah non. Non merci. Ah, non. Alors d'abord je fais un petit peu le tour. Pour voir s'il traîne pas. Ou alors c'est... le coffre se trouve sur la marque Trio, donc je n'ai pas encore accès. Bon. Messieurs, je vous abandonne. Hop, je vous abandonne aussi. Et donc on va s'attaquer au Colisée de l'Olympe. On va essayer de faire le nouveau tournoi. Même si je sais que ça va être très très difficile. Oh, voilà. Je sais que ça va être très difficile, mais bon, pas de choix. C'est... on va sauvegarder. Voilà. Et c'est la coupe Hercule, donc c'est parti pour cette nouvelle coupe. Et je sais qu'elle est très longue. Et à la clé, il y a
deux Keyblades, si je dis pas de bêtises. Dont une qui va m'être très utile pour le prochain monde. Puisque comme vous savez, Crochet nous a donné le nom du prochain monde où est parti Riku. Et donc on va aller le chasser, on va dire, et retrouver Kairi aussi. Ah. Non, non. Come on. Heal. That's the power of the Keyblade. Alors c'est pas cela qui me prend le plus peur. Faut dire que je crois que j'ai un peu de mal à le réussir du premier coup. Voilà. Voilà, ah, c'est mieux. Je crois que c'est le combat d'après que je redoute. Non, mais... Ah, je me suis pris. That's the power of the Keyblade. Ah non, c'est pas celui-là alors. C'est pas encore celui-là, mais je crois que c'est très bientôt. Bon, voilà, celui-là, je fais ça, et puis voilà, il part. C'est un des combats les plus faciles, ça. Ah, ben c'est celui-là. On va prendre notre revanche sur Cloud. Non mais... j'y crois pas. Ne prends pas trop la grosse tête, Cloud. Voilà, c'est ça que je redoute. Hein. Puisque il va me viser à chaque fois. Ah, oh, quoique. Ah, là, je suis un peu dans la merde. Ah mais... Ouais, vas-y. Thunder. Heal. Okay.
Non, 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 non. Cloud, tu vas te calmer. Ah, voilà. Et on a gagné une nouvelle Keyblade qui va être très utile, hein, je vous le dis. Et je crois que c'est là que je vais perdre. Ah non, je n'ai rien dit. Non mais calmez-vous, messieurs. Ah, j'ai raté. Tu veux bien revenir, s'il te plaît? J'espère que je vais réussir du premier coup, parce que ça m'embêterait un petit peu. Ah, mais. Ah, vite. Je voulais essayer de me soigner. Et donc, le premier qu'on affronte, c'est Hercule. Et en duel. Et c'est plus celui-là que je redoute le plus. Avec Cloud, bien sûr. Donc, la particularité de ce combat, c'est ça, justement. C'est comme il est protégé par un champ protecteur, on va dire. Non, mais. Non, non. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je redoute. Voilà, maintenant j'en profite. Je fais le max de dégâts possible. Et j'essaie de m'éloigner de lui. Voilà. J'ai un peu senti passer, hein. Allez. Ah, flûte. Ah non, sans relâche. Hey,
Bon, mais Hercule, tu vas me lâcher, oui. Voilà. Hop, hop, on va utiliser un peu les potions. Hein. Ouf. Non, tu te calmes, Hercule. On va éviter de perdre là. Ouf. On a réussi du premier coup. Parce que je sais que je galère beaucoup sur ce tournoi parfois. Et voilà. We're the champs. Wow! And I didn't even hold back! Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course. Your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Et donc voilà, on a pris la marque Trio Jaune et nous on a une nouvelle Keyblade, c'est pas plus mal. Du coup, je vais m'empresser de changer immédiatement parce que voilà. Ce sera âme de héros. Et maintenant on peut déplacer ça. Et voilà, donc une nouvelle serrure de déverrouiller, de verrouiller plutôt. Et donc maintenant, je vérifie quand même au cas où qu'il ne reste plus que la marque Trio qui est blanc. Normalement, il reste que celle-là. Et donc, non, c'est pas là que je voulais. Les Dalmatiens, on en a trouvé. Au Colisée, il n'y en a plus. Ville d'Halloween, il en reste 3. Traverse, ok. Et donc, 1 sur 4. Ok. Alors, on va retourner du côté de Traverse. Et plus particulièrement du côté de Merlin. Puisque... Non, on va pas faire le livre, je vois venir. Puisque, si vous vous souvenez, derrière sa maison, il y a une marque Trio.
Et si je dis pas de bêtises, on a aussi des ordres d'invocation à donner. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il me donne une évolution d'une offre, d'un sort. Et je crois que c'est peut-être Rafale. Keyblade. Ah non. Donc c'est peut-être plus tard Rafale. J'ai vraiment un doute sur, sur quand il évolue Rafale Plus. Bon, en Rafale, en Rafale Plus. Puisque si je ne dis pas de bêtises. Bah, c'est les deux qui nous restent, qui doivent passer en plus. Voilà, Dumbo. Ok, y'a rien. Donc il nous a aussi donné une nouvelle Keyblade, puisque on a toutes les magies à peu près. Et donc, voilà. Ici, il y avait une marque Trio. Il y a un coffre juste ici. Et il y a un autre coffre là. Voilà. Je crois que c'était les derniers de traverse là. Ok. Voilà pourquoi je vole en Razmot. On va pas voir Sid maintenant, puisque comme je l'ai dit, cet épisode est certainement le prochain. Seront consacrés au fait qu'on fait le tour de tout. On refait le tour des mondes. Cela, je m'en fous un peu. On refait un petit peu le tour des mondes. Je vais quand même aller voir Geppetto et Pinocchio. Juste pour voir ce qu'ils disent. Ok. Ok. Bon. Ils disent plus rien, c'est pas plus mal. On va aller aussi à l'atelier Mog pour voir ce qu'il nous propose de beau. Pas grand chose, ok. D'ailleurs, Dingo a gagné un nouveau bouclier. On va lui mettre et on va voir pour Donald. On va voir pour Donald qu'est-ce qu'on peut lui donner. S'il y a des nouveaux, j'ai un doute. Je viens discuter. Ouais, non, ça n'a pas encore changé. Ok. Je vais remettre ce que j'avais, moi. Des marques Trio. Je sèche un peu là. J'en ai peut-être oublié. Donc Hercule, c'est bon. Halloween, c'est bon. Ah oui, une marque Trio jaune là-bas aussi, c'est vrai. Halloween, c'est bon. Aglantica, pour l'instant non, puisque je crois qu'il y a une marque Trio blanche, donc on peut pas encore. Et il me semble qu'Aglantica on peut pas encore. Donc c'est pas mal, on en profite aussi pour l'XP. Pour
sentir plus en sécurité pour le prochain monde. Pour la suite. This is it. Ah, mince. Et il me semble... Ouais, c'est ça. Il y a un coffre ici. Ah, voilà. Il nous reste combien de Dalmatia ici? Ah oui, il nous en reste 6. Alors, il y a peut-être des chances que ceux qui nous manquent soit sur le pont. Voilà, maintenant on a ouvert cette porte. On a 3 coffres, ça m'étonnerait que j'ai les 3 dames. Ah non, 4 coffres. Et 2, 1. Ah voilà, il est ici, Rafale. Ouf. Ok. Ici, je peux passer. Donc maintenant on a Rafale plus. Alors, il nous manque des Dalmatiens. Ah mon sang, il nous en reste 6. Où est-ce que j'ai pu les oublier? Non, on va aller directement dehors. Ah bah bonjour. Voilà. Ok, ici il y a une marque trio blanche. On regarde. Je sais plus si ces coffres sont ouvrables. Non. Ici il y a un coffre. Ah, peut-être que c'est aussi une marqueterie blanche. Ici il n'y a rien. Et ici non plus. Donc peut-être une marqueterie blanche. Peut-être la marqueterie blanche qui est en haut. Hop, moi je descends. Hein. Je vais aller juste à côté. Et...
Et on va se téléporter à Alice pour se quitter et pour faire la suite de l'annexe un petit peu plus tard. Pour le prochain épisode plutôt. Je vais juste aller là. Je vais juste vérifier un petit truc. Ah bon, ok. Ok. On va se rapetisser, on va se graver. Enfin, on va pas se quitter là maintenant, mais... si vous vous souvenez, il y a le jardin privé. Et dans le jardin privé... Enfin, il y a aussi ici... si vous vous souvenez, c'est le premier monde qu'on a visité, mais on n'a jamais eu Keyblade. Et en fait, elle est un petit peu cachée. Cette Keyblade se trouve dans un coffre. Je sais plus où il est exactement, mais je sais qu'il traîne ici, dans ce monde. Hop. Voilà. Et je me demande si c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ok. Et donc ici, il y a un coffre. Et maintenant, normalement, on devrait réussir à y accéder. Alors, il faut que je monte, mais je me souviens plus où monter exactement. Ah, si. Si, je crois par l'extérieur. On va monter comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y avait des trucs à faire tomber en montant ici. Et il y a ça à allumer. Où est-ce qu'on atterrit? Ah oui, un endroit où je ne peux pas encore faire ça. Thunder. Ah voilà, on a trouvé des dalmatiens. Donc il nous en reste 3. Donne-moi un élixir. Ah mais t'es chiant. Donne-moi une potion, ouais, je te la donne. This should help. Ah. Désolé pour ce petit lag, on va dire. Moi une élixir. Vous avez rien loupé, c'est juste la lecture à distance qui a dû déconner.
Donc il y a eu un petit arrêt et tout, et donc voilà. Donc c'est un peu les aléas de cette vidéo. J'en suis désolé. Non. Hop, ranger. Il fait un élixir. Hein. Puisque après on va s'arrêter là. Mais j'ai pu souvenir comment on accède à cette Keyblade, mais je pense pas que ça soit pour maintenant. Merci de là. Ici on n'y était pas là. Ah, c'est ici. Donc ici on peut y accéder. Voilà, donc maintenant on a tous les dalmatiens. Et normalement, on a ça. Donc il nous reste juste un coffre. Comment on y accède? Je me souviens pour la Keyblade, mais je me demande si c'est pas la marque Trio aussi. Bon, je vais me laisser tranquille, oui. Faudrait que je vérifie. Ah oui, il faut que je redevienne grand, je crois. Thunder. Thunder. Ok. Donc cet épisode est un petit peu plus long. Puisque. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Je crois que la Keyblade en question et on l'a pas eu encore, puisque. Thunder. Non, vous allez arrêter s'il vous plaît. Thunder. Thunder. C'est bien sympa, mais. Ah, j'ai eu un coffre, ok. Et donc on va s'arrêter là pour ce 20e épisode de Kingdom Hearts Final Mix, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter. Et comme je l'ai dit, la Keyblade en question, je pense que c'est la marque Trio. Mais on y reviendra un petit peu plus tard quand on l'aura obtenue, puisque je crois qu'il s'agit de la dernière. Et donc voilà. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on sera toujours en annexe. On continuera à faire un peu le tour des mondes à la recherche des Dalmatiens avant de continuer. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, que votre cœur soit la clé qui vous guide.
donc Jan et Mina.